Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte ce matin de l'église Elena. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous prions que le Seigneur vous remplisse de son esprit ce matin, qu'il vous touche particulièrement au travers de ces chants et au travers de la parole que vous allez entendre. Amen. Compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père, le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père, il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père.
Nous nous abandonnons à toi ce matin, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons honorer ce matin. C'est toi seul que nous voulons, Seigneur, élever ce matin. Seigneur, viens nous toucher, Seigneur, là où nous nous trouvons en cet instant. Seigneur, viens enlever toute inquiétude. Viens donner la paix, Seigneur. Viens remplir de ton esprit. Jésus, merci pour ta présence encore ce matin. Amen. Alléluia, Jésus. Bénissons ce matin, Jésus. Amen. Amen.
quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.
Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de nous retrouver encore pour partager la bonne parole du Seigneur dans ces temps particuliers. J'aimerais partager sur ce thème, peut-être qu'on va le voir en deux temps, on le verra une prochaine fois pour la deuxième partie, mais j'aimerais partager en deux temps sur ce thème qui, je pense, est d'actualité, la santé spirituelle. Hein, la santé spirituelle. Être en bonne forme spirituellement, je crois que c'est très important. C'est un général du roi David qui dira à un autre général du roi David, mais il le dira d'une manière un petit peu sur le ton de la plaisanterie. Et puis même, il y avait une rivalité entre ces deux chefs, Joab et Amasa. Il dira, Joab à Amasa, il lui dira « Te portes-tu bien, mon frère ?» Hein, ou la version Zadokan dit « Comment vas-tu, mon frère ?» Mais c'est la question que j'aimerais vous poser, non pas d'une manière sur le ton de la plaisanterie, mais sur la réalité. Hein, aujourd'hui, comment allez-vous ? Et surtout, comment allez-vous spirituellement ? Parce que l'important, au-delà d'être en forme physiquement, et tant mieux si vous l'êtes, et que le Seigneur continue de vous bénir, et que le Seigneur renouvelle vos forces, et comme il dira, il est capable de renouveler nos forces pendant la marche. Mais le plus important aussi, c'est que nous soyons en forme spirituellement. Hein, surtout que nous vivons des temps assez particuliers, des temps de confinement, et nous avons besoin de ne pas baisser les bras, mais nous avons besoin au contraire, d'être en forme spirituellement afin de pouvoir avancer dans le plan que le Seigneur a tracé pour nos vies. Et nous allons voir, en première partie, on verra, comme je vous l'ai dit dans une autre prédication, la deuxième partie qui sont les causes de la contagion. Mais ce matin, on va voir dans cette première partie les caractéristiques d'un disciple ou d'un chrétien en bonne santé, ce qui dénote que spirituellement on est en forme. Et je pense que si ces qualités sont en nous, si ces attributs sont en nous, ça montre qu'on est en forme. Mais si ça a baissé ou si on ne les a plus, alors il faut peut-être se poser des questions. Peut-être, on le verra, je le répète, dans une deuxième étude, peut-être voir quelles en sont les causes, et puis surtout, appliquer le remède. Et le remède, bien sûr, c'est de revenir, on le verra, à Dieu et à sa parole. Mais ce matin, donc, j'aimerais prendre le premier point, les caractéristiques d'un disciple, d'un chrétien en bonne santé. Le premier point, ça se voit. Un chrétien qui est en bonne santé, qui marche avec le Seigneur, qui a la forme, il a un comportement joyeux, un comportement gai, dans le sens premier du terme, attention, du gothique gaïs, vif, rapide, un comportement joyeux, gai et amical. Sa manière d'agir, d'être, de se conduire comme il se conduit, comme il est, ça se voit, il y a la grâce de Dieu, il y a le Seigneur qui est avec lui, il est en bonne forme. D'ailleurs, Néhémie dira, la joie de l'Éternel sera votre force. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien triste. Que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur soient tristes, je les comprends, parce qu'ils sont sans Dieu et sans espérance. Et dans particulièrement ce temps difficile, je comprends que beaucoup soient fort inquiets, déprimés, parce que s'ils n'ont pas le Seigneur, ils ne voient pas comment l'avenir va avancer pour eux. Mais pour nous chrétiens, mes amis, on marche par la foi, on marche avec le Seigneur. Et quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il advienne, le Seigneur le permet et le conduit. Et ce qui va me permettre justement d'avancer, c'est cette joie. La joie de l'Éternel, elle est notre force. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira « Soyez toujours joyeux, toujours ». Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile d'être joyeux. Mais même
quand on passe par des difficultés, par des soucis, parce que la vie, ce n'est pas toujours, eh bien, mes amis, avec des pétales de rose, il y a aussi des ronces et des épines, mais ça ne fait rien. Même si on passe par un temps difficile, eh bien, on est heureux parce qu'on sait que Jésus-Christ est dans notre cœur et dans notre vie, et il sait qu'il nous conduit, et notre joie, elle nous permet d'avoir la force pour avancer. Soyez toujours joyeux, conservez, nous dit la version Parole Vivante, en tout temps votre joie, réjouissez-vous toujours, nous dit la version Darby. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui défend son ministère apostolique et qui dira « Mais nous nous rendons recommandables, 2 Corinthiens 6, 10, à tous égards, comme serviteurs de Dieu, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. » Comme attristés. Des fois, il y a des choses qui nous attristent, mais ça ne fait rien. On passe outre, on regarde au Seigneur. Et envers et contre tout, on est joyeux parce qu'on sait que le Seigneur, c'est notre force et qui va nous permettre, eh bien, de passer l'épreuve, de passer la difficulté. Et la grâce de Dieu va se manifester à notre égard. D'ailleurs, Philippiens dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La version Parole Vivante, j'aime bien, dit, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui, hein, en tout temps. Voilà, on est joyeux. Même si on vit des temps difficiles, il y a le Seigneur qui est là. Et le Seigneur qui est dans nos vies, qui est sur nos vies. Et alors, cette joie qui vient du ciel, cette joie qui vient de Dieu, un petit peu comme la paix, eh bien, qui surpasse toute intelligence, elle est en nous. Et mes amis, peu importe les circonstances, la grâce de Dieu se manifeste. Un comportement joyeux, gai, je le répète dans le premier sens du gothique gaius, vif, rapide, c'est-à-dire quelqu'un de bonne humeur, quelqu'un de content, quelqu'un de souriant. C'est ça, un chrétien, mes amis. Ce n'est pas quelqu'un qui est dépressif, hein, parce qu'il sait en qui il a cru. Et alors, il est heureux, comme on chantait dans les années passées, ce petit cœur, je suis heureux car Jésus m'a sauvé dans son amour. Eh bien, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Alors, on est heureux, on est joyeux. Et la grâce du Seigneur se manifeste, mes amis. Et ça, je crois que c'est très important. Joyeux, gai, amical. Sachant que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Une bonne communion avec Dieu, elle va nous permettre d'avoir une bonne communion avec autrui. Et quand on est en bonne santé spirituelle, on est joyeux, on est heureux, on est gai, et puis on n'a pas de problème avec les frères et les sœurs. Et si on a des choses à se dire, on se le dit, mais on se dit d'une manière spirituelle, non pas pour se tuer, non pas pour se détruire, mais au contraire, pour avancer, hein, pour enlever peut-être ce qui n'est pas bien de nos vies, parce que personne n'est parfait. Hein. D'abord, la Bible dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Hein. On enlève des fois, un frère nous le dit, mais c'est pour notre bien. Allez, on enlève cette chose, mais on avance ensemble. Et c'est quelque chose de très important. Et ça montre, et on n'a pas de problème avec les frères, avec les sœurs, avec l'Église, avec le serviteur, tout va bien. Hein? Et ça montre qu'on est en bonne santé, mes amis. Hein? Les gens qui ont toujours des problèmes, entre guillemets, c'est qu'il y a peut-être un problème dans leur cœur et dans leur vie. Hein? Et peut-être que, justement, il faut le rectifier, il faut en voir la cause, on le verra dans une deuxième partie, mais il y a peut-être un problème de fond qu'il faut que tu règles, parce qu'autrement, eh bien, dans le fond, tu es malheureux, tu rends malheureux les autres, et puis tu attristes aussi le Saint-Esprit de Dieu. Donc, un disciple en bonne santé, c'est quelqu'un de joyeux, de gai et d'amical, le premier point. Le deuxième point, c'est quelqu'un qui a la faim et la soif, il a un bon appétit, de quoi? De la droiture, de l'honnêteté, de la franchise, de la loyauté, de l'équité, de la sincérité.
honnêteté. C'est quelqu'un qui est droit, qui est clair, qui est direct. C'est le Seigneur qui dira dans sa parole, Ecclésiaste 7:29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et des fois, mes amis, il y a des gens, quand vous leur parlez, ils sont d'un compliqué, parce qu'à l'intérieur, ils sont très sinueux. Il y a beaucoup de détours et derrière tout, ils ne sont pas clairs. Un chrétien digne de nom, c'est quelqu'un de direct, quelqu'un de droit. Hein ? C'est Ésaïe qui dira « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau ». C'est l'Ecclésiaste qui dira « L'homme qui pratique la droiture vivra ». L'homme qui pratique la droiture vivra. Dieu aime et se trouve avec les gens droits. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Hein, la perfection, il n'y a que le Seigneur. Mais des gens qui savent aussi, quand ils font des erreurs, reconnaître leurs torts, demander pardon et à nouveau agir d'une manière claire et honnête. D'ailleurs, le Seigneur dira dans sa parole, « Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Et c'est le psalmiste qui dira, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Est-ce que nous avons cette qualité ? Hein ? Est-ce que nous sommes droits ? Est-ce que nous sommes directs ? Hein ? Est-ce que nous essayons pas de contourner la vérité par des faux semblants, en mettant un masque, mes amis. Mais ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Hein. Ce n'est pas ni d'être un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que tu n'es pas en bonne santé. Ce n'est pas que tu n'es pas clair, mon frère, ma sœur. Et tu as besoin de revenir à l'essentiel. Hein. Tu as besoin, comme dit la parole de Dieu, et comme le dira le Seigneur, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Hein. Ça, c'est caractéristique d'un disciple en bonne santé, c'est quelqu'un qui est joyeux, gai, amical, c'est quelqu'un, eh bien justement, qui a faim et soif de ce qui est droit, c'est quelqu'un aussi qui a une grande force morale. Et cette force morale, il la puise de la parole de Dieu. Je vous écris, dira l'apôtre Jean, chapitre 2, verset 14, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, pourquoi ? Parce que vous avez des muscles ? Non, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Cette force morale, elle vient de la parole. Apprendre à s'appuyer sur la parole et même pas sur ce que les gens nous disent, même pas sur les circonstances, c'est la parole. D'ailleurs, vous avez vu, lorsque Jésus a été tenté par le diable, sur quoi il s'est appuyé ? Lui, la parole faite chair, lui, le Fils de Dieu, sur la parole de Dieu. Il a dit au diable, « Il est écrit, il est écrit. » Et devant la parole de Dieu, le diable, il ne peut que partir. Si on veut résister au diable, on a besoin justement eh bien, d'avoir cette force morale qui vient de la parole de Dieu. Il nous est dit, Jésus revêtu de force et de puissance, il allait de lieu en lieu, une force sortait de lui et les guérissait tous. Cette même force de Dieu, eh bien, elle peut venir en nous si nous nous tenons dans la parole de Dieu. Si nous n'ajoutons rien, si nous ne retranchons rien, si nous restons bibliques, on va être en forme spirituellement. Et surtout dans les temps où nous vivons, ces temps de troubles, où la Bible dit que dans les temps de la fin, le diable essaiera même de séduire les élus s'il était possible, restons dans la parole. Merci Seigneur pour les prédicateurs de la parole, parce que ces hommes de Dieu, eh bien mes amis, ils prêchent la vérité et ça nous permet, eh bien à travers la parole de Dieu, de prendre des forces et face au combat spirituel que nous menons, d'avoir cette force morale pour résister aux attaques subtiles de l'adversaire. Une force morale, j'ai besoin. Et tu as besoin peut-être, mon frère, ma sœur, de te fortifier par la parole. Arrête d'écouter hein, Pierre, Paul, Arthur ou Sébastien. Écoute ce que dit la Bible et applique-toi
à obéir à la parole. Et tu verras que ces forces spirituelles vont venir en toi et que la grâce de Dieu va se manifester. Ce qui nous montre aussi qu'on est en bonne santé spirituelle, c'est que lorsque on est un chrétien qui est en pleine forme, on a de grandes puissances d'endurance et de travail. L'endurance, on sait résister. Et c'est important de résister. De résister à la tentation, de résister aux pièges subtils. C'est important de résister, eh bien, mes amis, aux pièges de l'adversaire. Et pour cela, on a besoin d'être endurant. C'est Marie Durand, dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, cette chrétienne authentique qui avait mis pour qui avait écrit sur le mur résister, résiste au péché, résiste à la tentation, résiste à la critique, résiste à la méchanceté, résiste à la dureté, résiste, et puis apprends, eh bien, même à endurer les afflictions. L'apôtre Paul dira: les afflictions que j'endure pour vous sont votre gloire. Et il dira aussi dans Colossiens: ce qui manque aux afflictions de Christ, je l'endure. Ça montre bien que dans la vie chrétienne, il faut résister. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais il faut résister parce que notre espérance, elle est dans le Seigneur Jésus. Et que les gens dans le monde soient déconfis, découragés, se laissent abattre, je les comprends. Ils sont sans Dieu, sans espérance, je le répète. Mais nous, on a Jésus. Alors c'est vrai, on a nos problèmes, on a des difficultés. Il y a des temps difficiles, mais le Seigneur est là. Et je résiste. Et je me tiens devant lui. Et le meilleur moyen de résister, c'est de travailler pour lui. De travailler pour lui. D'ailleurs, c'est ce que le prophète dira, le prophète âgé, de la part du Seigneur, à Zorobabel et à Josué, fils de Jotsadak. Il leur dira: fortifiez-vous, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, âgé de 4, fortifiez-vous donc et travaillez, car je suis avec vous. L'important, mes amis, c'est de travailler, c'est de servir le Seigneur. Surtout que nous vivons des temps importants pour nous, chrétiens. Quand nous voyons tout ce qui se passe, on se rend bien compte que nous vivons les temps de la fin. Et avant que le Seigneur ne revienne, parce que un jour, seul Dieu le sait, mais un jour, et bientôt, nous le croyons, Jésus va revenir. Il faut que, eh bien, une grande multitude encore soit sauvée. Et si nous sommes encore ici-bas, c'est pour être des témoins de Christ. C'est pour travailler pour le salut de la multitude. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ne nous occupons pas de futilités, de choses secondaires, mais allons à l'essentiel. Eh bien, voyons le salut des âmes, voyons le salut de nos familles, prions pour eux et puis travaillons et résistons aux attaques de l'adversaire et la gloire de Dieu va se manifester. De grandes puissances d'endurance et de travail. Et puis, je termine, un esprit de compréhension. Comprendre les autres, savoir se mettre à leur portée, à leur niveau. Ça fait partie de la sagesse, de l'intelligence divine. Ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, ne pas jouer aux chrétiens religieux légalistes, mais savoir comme le maître l'a été lorsqu'il était sur la terre, se mettre à la portée des âmes et des gens. Regardez Jésus. Jésus, la parole faite chair. Eh bien, il mangeait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec eux, mais il se mettait avec eux justement pour, eh bien, qu'ils puissent sortir de leur péché, de leur misère, et qu'ils entrent dans le salut de Dieu, dans la vie éternelle. Il était là et il se mettait à leur portée afin qu'ils puissent s'ouvrir et qu'ils puissent sortir de leur misère et de leur péché. Et le Seigneur Jésus, et l'apôtre Paul le reprendra plus tard,
eh bien, il se faisait tout à tous. Et l'apôtre Paul dira lui-même, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver, eh bien, de toute manière, le maximum. Apprendre à se faire tout à tous. Arrêter d'avoir des préjugés. Arrêter d'avoir des a priori, mes amis. Vous savez, la Bible dit encore, et j'aime le dire, Dieu aime tous les hommes et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et arrêtons, eh bien, mes amis, eh bien, d'avoir des a priori. Le Seigneur, il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Par contre, nous, sachons être malléables entre ses mains. Et pour cela, apprenons à avoir cet esprit de compréhension, d'adaptation. Hein. Surtout que les temps ont tellement changé. Le monde a tellement changé. Ne jouons pas, malheureusement, comme ça c'était déjà le cas du temps de Jésus, aux petits religieux qui, eux, ont mis à mort le Christ. Vous savez, les petits religieux et même les petits religieux dits évangéliques, ce n'est pas ceux-là qui iront dans le ciel, mes amis. C'est des gens nés de nouveau, des chrétiens simples, authentiques, qui sont toujours là, eh bien, pour aider, pour encourager, pour comprendre et non pas pour juger. Le seul qui peut nous juger, et pourtant il ne l'a pas fait, c'est Jésus lui-même. Alors qui on est, mes amis, pour dire un tel, une telle, oh ben lui, oh ben elle. Ben, tu sais, le Seigneur, il est capable, avec, entre guillemets, à moins que rien, il est capable de faire un grand homme de Dieu, mes amis. Et d'ailleurs, le Seigneur, pardon, le dira souvent dans sa parole, les derniers seront les premiers. Et les premiers sont les derniers. Donc, méfie-toi de tes jugements hâtifs. Et plutôt que de juger hâtivement, apprends à comprendre pourquoi le frère, la sœur, cet homme, cette femme, il dit ça, il passe par là. Peut-être que tu ne connais pas son contexte, tu ne connais pas eh bien, par où il est passé et tu juges trop vite. Alors, demande au Seigneur cette sagesse d'en haut afin que, au contraire, tu puisses être utile entre les mains de Dieu pour amener cet homme, cette femme qui peut-être passe par un moment difficile au salut, à la grâce de Dieu, à la bénédiction. Un esprit de compréhension, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et je pense que si nous avons cela en nous, cet esprit de compréhension, cette joie, cette gaieté, cette force morale, cette droiture de cœur, cette endurance, ben, spirituellement, on est en forme. Et peut-être, si tu n'es pas en forme, c'est peut-être parce qu'il te manque un de ces points. Peut-être que tu te traînes, tu te trises comme un bonnet de nuit. Peut-être que tu juges trop facilement. Hein. Peut-être que tu n'es pas droit, même vis-à-vis de toi-même. Hein, tu te permets certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et à cause de cela, eh ben, tu te fais mal. Tu attristes Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes aussi les frères et les sœurs. Et tu n'es pas bien dans ta peau. Par contre, si tu réalises que c'est ça, il y a ce point qui est là en toi, qui n'est pas la gloire de Dieu, si tu le rectifies, t'inquiète pas. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et si tu demandes pardon au Seigneur, ben le Seigneur va te relever, va te pardonner, va te justifier et tu vas avancer et tu vas être en pleine forme spirituellement. Que tu aies quelques mois ou 50 ans de conversion. Moi, ça fait 50 ans que je suis converti. Je suis heureux d'être chrétien, je suis en forme et j'ai de plus en plus envie de parler de Jésus autour de moi parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est lui qui m'a sauvé et je suis heureux de lui appartenir et je sais que très bientôt je serai avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Et ce que je veux dans le temps qu'il me reste encore sur cette terre, ce que je veux, c'est être cette petite lumière au milieu des ténèbres afin que ceux qui la voient puissent venir non pas vers moi, mais vers Jésus-Christ, vers la croix, et sois sauvé pour ce temps présent et l'éternité. Que Dieu bénisse chacune de nos vies et que nous puissions être en bonne forme spirituelle. C'est ce que le Seigneur nous demande à chacun aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné. Nous étions faibles, mais maintenant nous sommes forts en toi.
Nous étions tristes, malheureux, mais maintenant nous sommes heureux, joyeux en toi. Nous étions perdus, maintenant nous sommes sauvés. Quelle grâce, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi. Et merci, parce que nous pouvons, même dans des temps les plus durs et les plus difficiles, eh bien avancer, le regard fixé sur toi. Et nous pouvons marcher en vainqueur et pour vaincre. Nous ne voulons pas baisser les bras, au contraire. Nous voulons redresser, relever nos têtes. Nous voulons raffermir peut-être nos genoux qui faiblissent un peu. Nous voulons, Seigneur, ne pas nous laisser prendre par l'adversaire qui voudrait eh bien, nous mettre dans une voie de garage. Mais au contraire, nous voulons avancer. Eh bien, les regards fixés sur toi. Et nous voulons travailler pour le salut de la multitude, pour la gloire de ton nom. Que le faible dise « Je suis fort en Jésus ». C'est la prière pour quelqu'un ce matin. Et que peut-être cette faiblesse qui est due peut-être à certaines choses qu'on a méditées ce matin, il puisse vite les rectifier afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen.